Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau système inédit dans l'univers de Destiny, un système qui va venir remplacer les contrats rituels auprès de nos trois factions préférées et va donc concerner les activités suivantes, agression, gambit, épreuve, assaut et nuit noire, j'ai nommé le Pathfinder. On le sait, les contrats de ces activités de playlist rituelles vont disparaître à la sortie de Final Shape. Nous avons enfin eu des infos au sujet de ce qui va les remplacer dans la façon de monter en XP ces différentes factions. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura dorénavant un système de progression. Ce système nommé Pathfinder regroupera les contrats, les patrouilles, les défis hebdomadaires en un seul et unique schéma d'exécution. L'ensemble des trois factions sera regroupé dans un seul Pathfinder unifié. Cette instance de Pathfinder contiendra des objectifs spécifiques à chaque activité rituelle ainsi que des objectifs plus génériques pouvant être complétés dans n'importe laquelle des activités rituelles. Autre info, arrivé au bout de votre arbre de progression, vous pourrez le réinitialiser en échange de l'humain. Attention néanmoins, à chaque reset hebdomadaire le mardi soir, ce Pathfinder sera réinitialisé et vous perdrez votre progression. Autre précision, les semaines où il y aura un bonus de réputation active, par exemple double XP en gambit, les trois premières instances de Pathfinder que vous compléterez contiendront plus d'objectifs liés à cette activité rituelle. Par instance de Pathfinder complétée, j'entends la réalisation complète de tout votre chemin de Pathfinder jusqu'à sa réinitialisation. Ainsi par exemple, s'il y a un boost en PVP, vous trouverez dans l'arbre du Pathfinder plus d'objectifs à réaliser en PVP, et ceci jusqu'à la troisième réinitialisation de ce Pathfinder. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Lorsque vous ouvrez votre Pathfinder, 20 objectifs vont vous être présentés. Ils sont divisés en 5 niveaux. Bien que vous puissiez progresser dans tous les objectifs du Pathfinder sans restriction, vous devrez néanmoins valider au moins un objectif de chaque niveau, c'est-à-dire de chaque colonne verticale, avant de pouvoir revendiquer un objectif du niveau suivant. Vous aurez donc ainsi plus de liberté et pourrez donc choisir la direction que vous souhaitez suivre dans le Pathfinder. Parlons maintenant récompense. Alors au-delà de la grosse récompense finale, chaque objectif réussi vous octroiera une récompense également, à savoir des engrammes classiques, des engrammes puissants, de la poussière brillante, de l'XP, des réputations de faction et attention, des engrammes du cœur pâle. Au passage, concernant ce nouvel engramme du cœur pâle, il semblerait que ces derniers soient focalisables. En plus des récompenses de base, il semblerait que des récompenses additionnelles telles que des modules d'amélioration ou des prismes pourront être obtenues pour 3 et 7 réinitialisations du Pathfinder, ainsi qu'à chaque réinitialisation par la suite. Autre précision, au lancement de Final Shape, vous aurez 2 Pathfinder, un pour les playlists d'activités rituelles, assaut, gambit, épreuve comme nous venons de le voir, et un qui sera à récupérer dans le cœur pâle du voyageur au cours de la campagne. En termes d'activités, sans trop nous en dévoiler bien sûr, Bungie précise que les objectifs seront sensiblement les mêmes que ceux que l'on pouvait attendre en réalisant des contrats classiques, avec tout de même l'ajout de nouvelles destinations et de nouveaux emplacements. Vous pourrez vous attendre par exemple à devoir traquer une certaine race d'ennemis, à devoir vous rendre dans un certain lieu ou à finir des activités, piller des coffres, bref, des choses classiques. Côté praticité, enfin, vous pourrez y accéder depuis n'importe où dans le jeu, directement depuis votre carte. Plus besoin donc de passer des heures en orbite à vous rendre chez Zavala pour valider des contrats. Enfin, vous pourrez sélectionner l'objectif dans le Pathfinder afin que celui-ci en affiche la direction une fois en jeu. Avant de finir cette vidéo, je voulais rapidement vous parler des affichages, le fameux HUD dans le jeu. On le savait, mais pour rappel, les affichages in-game vont changer à la sortie de Final Shape. Au sujet des buffs et des buffs affichés en bas à gauche de votre écran, les slots ne permettaient initialement que 4 affichages, donc il vous manquait souvent des informations à l'écran. Pour Final Shape, ces slots vont être augmentés et les infos les plus critiques ou les buffs les plus importants seront prioritaires dans l'affichage. Les infos seront divisées dans l'écran, comme ici sur un combat de Golgoroth où l'on remarque que les informations critiques et les modificateurs liés à l'instance de jeu par exemple, comme ici la marque de la flaque de lumière, sont toujours à gauche, tandis que les perks procurés par les classes, les armes, etc. sont maintenant en ligne, juste au-dessus de votre barre de super. Esthétiquement parlant, les buffs et debuffs vont dorénavant afficher plus de couleurs pour une identification plus réactive en jeu. Et enfin, dernière info, par rapport à l'onglet quête, à partir du 4 juin, les joueurs pourront définir n'importe quelle catégorie de quête
dans la colonne de gauche, la colonne par défaut, lorsque vous accédez à l'onglet quête. Dans le même temps, tous les jalons apparaîtront désormais dans l'onglet quête, bien qu'ils ne compteront toujours pas dans le nombre total de quêtes et de contrats qui restera fixé à 63. L'onglet quête a enfin été mis à jour afin que le suivi des quêtes dans les catégories individuelles les place désormais au premier plan dans l'ordre de tri de l'onglet des quêtes. Et voilà, c'est terminé, on a donc fait le point sur les plus grosses informations que contenait cette This Week in Destiny du 23 mai. Je vous laisse sur tout ça, comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos. Prenez soin de vous, bye !